terminait notre service ce matin. Et comme on loue ensemble, je veux vous lire un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, 19 ce matin, qui nous dit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia! Amen. Ce grand prix est le prix que Jésus a payé sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Et quand on accepte le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous sommes rachetés et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Alors, louez avec nous ce matin. Merci Jésus. Wouh! Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son trouver ma place, je suis en...
et affranchis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Oh! Alléluia. Oui, Jésus. Chacune, Seigneur. Vous êtes tellement unique dans les yeux de Dieu. Il y en a juste une comme vous, un comme vous. Et les yeux de Dieu sont sur vous. Alléluia, son attention est sur toi ce matin. Oh, alléluia.
Oh,
J'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui dit « Je vous entends, je vous entends. » Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Tellement puissant. Souffle maintenant. Tu
Sa présence est tellement riche parmi nous. Amen ce matin et toujours. Alléluia. Laissez-moi vous parler d'une écriture en Proverbe 11, 24 avant qu'on reçoive les offrandes et les dîmes ce matin. Celui qui donne libéralement devient plus riche et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Lorsque l'argent se raréfie, c'est toujours une tentation de réduire vos dons. Après tout, cela semble être logique, non?
Ne le faites pas. Vous finirez par interrompre le flot des bénédictions financières de Dieu au moment même où vous en avez le plus besoin. Lorsque nous mettons Dieu en premier, alors toutes ces choses nous seront ajoutées. Alléluia! Nous avons vu Dieu le prouver plusieurs fois, non seulement dans notre vie personnelle, mais dans la vie de notre ministère. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur qui a pris charge d'une église. Et cette église était endettée par des millions de dollars. Le pasteur a demandé de voir les livres de l'église et après les avoir examinés, il savait ce qui n'allait pas. Il a dit au conseil de l'église qu'ils devaient donner leurs dîmes et leurs offrandes. Et ils ont dit, « Comment pouvons-nous donner quand nous n'avons rien à donner? » Le pasteur a dit, « Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas donner. » Ils ont commencé à donner leur dîme et donner aux missions et ce qui s'est passé était miraculeux. La dette a été réduite de plus en plus jusqu'à temps qu'ils soient complètement sans dette. Ils ne savaient pas comment cela était possible. Vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Amen. Lorsque vous donnez, il bénira au-delà de ce que vous pouvez penser possible. Alors, faites-lui confiance et il vous le prouvera. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour la fidélité de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il croit dans ta parole, Jésus, et il donne avec joie ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour qu'est-ce que tu fais dans ton royaume, Seigneur, avec les finances que ton Église donne, Jésus. En ton nom, nous prions. Et le peuple de Dieu dit « Amen ».« Alléluia, bonjour à tous, je suis assez heureux que vous êtes, que vous pouvez être avec nous ce matin au Centre de Victoire, ici à Sudbury, en ligne, alléluia. Aujourd'hui, j'espère que la parole de Dieu vous enrichira, vous bénira, vous fortifiera et vous mettra au défi comme vous le recevez dans votre cœur. T'sais, la parole dit dans Psaume 119, verset 11, David a dit ceci, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia! Savez-vous que la parole de Dieu est le trésor le plus important de votre vie? Elle doit trouver une place sûre dans votre cœur, loin de tout voleur ou cambrioleur qui tenterait de le voler. Vous le serrez parce que lorsque vous en aurez besoin, il sera là pour faire tout ce que Dieu juge nécessaire de faire. Alléluia! La parole de Dieu, elle a une œuvre à faire. Et comme qu'on a notre cœur et on la relâche, elle fait son œuvre. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre ici, Jésus était ici avec nous, avec les disciples, pas avec nous, il est dans nos cœurs aujourd'hui, alléluia! Mais son cœur était rempli de la parole de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, ce qui faisait Jésus une puissance irrésistible contre toute attaque satanique. Et quand Jésus est allé à la pêche pour les hommes, on va regarder ça aujourd'hui, il attrapa celui ou celle à qui il venait pour à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vais vous emporter à la pêche. On va aller sur un petit voyage à la pêche. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais la pêche. J'aime encore la pêche, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pêché. Mais c'est toujours une bonne chose, la pêche est relaxant. Quoi que ce soit dans un ruisseau pour la truite mouchetée ou sur un lac pour attraper pêcher pour le doré, le simple fait d'être là-bas, à l'eau, avec une canne et un moulinet, était à la fois excitant et relaxant. Alléluia! Moi, j'étais excité quand j'allais à la pêche, quand j'étais jeune. Puis, il y avait quand on était sur le bateau, c'était relaxant. C'est vraiment un excellent moyen de s'évader temporairement de ce monde. Maintenant, la manière de pêcher de Jésus ne ressemble pas à aucune.
Okay? Son approche à la pêche naturelle est différente de tous les autres pêcheurs. Comme je vous dis, la pêche naturelle, ça c'est la pêche à l'eau avec des poissons. Son approche est totalement différente. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de canne à pêche, puis il y a pas un moulinet. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il parle la parole de Dieu. Et les filets sont remplis surnaturellement avec du poisson. Et dans son approche à la pêche spirituelle, qu'on va voir ce matin, pour l'âme des hommes, il attrape surnaturellement ce qui est naturel avec sa parole ou avec la parole de Dieu. Alléluia! Alors, regardons l'histoire de Luc pour voir comment Jésus a changé la vie de Pierre. Voyons comment Jésus transforme Pierre d'un zéro à un héros, pour ainsi dire. OK? Alors, regardez ça avec moi, Luc chapitre 5, versets 1 à 11. C'est écrit ici, « Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils montaient dans l'une des barques, dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets. Jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la prêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alléluia! Avez-vous vu ça? Jésus vient d'attraper un poisson. Bien, la Bible a dit qu'il a attrapé beaucoup de poissons, assez pour remplir deux barques. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Jésus a attrapé un poisson. Un poisson appelé Pierre. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, regardons la relecture au ralenti, slow motion, pendant un moment pour voir comment il a attrapé Pierre. Commençons le clip. Alors, tout d'abord, Jésus avait les yeux sur Pierre. Samedi après la synagogue, Jésus, la journée d'avant, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Cela devrait sûrement attirer l'attention de Pierre. Okay? Ça, c'est tout. Ça fait partie de comment Jésus a attrapé Pierre. Okay? Et le lendemain, il se présente au lieu de travail à Pierre et remplit le filet de Pierre de poissons après une nuit de pêche sans succès. Pierre, il a pas attrapé un poisson, mais quand Jésus arrive, le filet est plein. Alléluia! Quand Jésus dit qu'est-ce qu'il a dit, on va regarder ça une minute, son filet était plein. OK, on va arrêter le clip ici. Alors, si nous voulons réussir à pêcher pour les hommes ou pêcher les hommes, nous devons avoir un objectif ou un plan. La cible de Jésus était Pierre. Pierre, je te vois. Pierre.
Si je veux aller à la pêche, moi, si je veux aller à la pêche de truites mouchetées, vous ne me trouverez pas sur un lac avec un bateau et un moteur. Non, 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 non. Non, vous me trouverez sur un ruisseau avec un canot ou dans un ruisseau avec des hauts échassiers, des grosses bottes en rubber, là. OK? Une cible spécifique nécessite un équipement spécifique, une manière spécifique. En ce qui concerne le ministère personnel, qui représente la barque, c'est ça que Jésus était dedans quand il faisait du ministère, quand il prêchait la parole. Il le prêchait de la barque, puis ça, c'est une image de ministère personnel. Okay? C'est peut-être une bonne idée de connaître la personne quand on fait du ministère personnel, avant d'essayer de l'attraper avec l'Évangile. Très bien, OK, on va continuer. La deuxième chose, c'est ensuite, il monta dans le bateau de Pierre et demanda la permission de s'éloigner du rivage afin d'enseigner la multitude. Tu sais, Pierre, peux-tu me... C'est-tu correct si je vais un peu plus loin? On va dans le... pas sur la plage ici, là, mais dans l'eau un peu plus loin. OK, on va arrêter le clip là. On va vous expliquer quelque chose. Si nous voulons atteindre une personne spécifique, nous devons obtenir la permission d'entrer dans leur espace personnel, dans leur vie personnelle. Pensez comme un bulldozer, une grosse machine dans leur vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, ça terminera sûrement par un désastre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus étape par étape. C'est comme ça que Jésus a fait, c'était incrémental. Avant que mon père ne soit sauvé, il a fallu des années avant qu'il soit prêt pour le grand jour où il a accepté Jésus. Nous avons semé la parole de Dieu, On a semé dans ses vies à chaque fois que l'occasion se présentait. Et puis le jour est venu où j'ai senti dans mon cœur, j'ai dit à Sylvaine, « Syl, aujourd'hui, mon père va être sauvé. » Vous voyez, chaque cas, chaque situation est différente. Chaque personne est unique. Cela signifie que le salut que... De chaque personne doit avoir une approche différente. Comprenez-vous là? OK, recommençons le clip. Dans la troisième étape de la capture de Pierre, Pierre est appelé à faire quelque chose de spécifique. Il est mis au défi par Jésus de prendre un risque en lui obéissant. Il dit, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Tu sais, c'est quelque chose que Jésus demande de lui à obéir. Non, s'il n'aurait pas fait ça, là, mais qu'est-ce qui aurait arrivé, je ne sais pas. Mais OK, on va arrêter le clip ici pour une minute. C'est très important ici, là. C'est une étape très importante. Obéir et faire confiance. C'est ça que cette étape veut dire ici, là. Dieu nous appelle à obéir sa parole, à faire confiance en lui, parce que c'est lui qui est Dieu et seulement lui peut venir faire des miracles, seulement lui peut sauver. Hallelujah! Ce n'est pas toujours une chose facile, mais quand il s'agit d'un miracle, un pas d'obéissance, de risque, de confiance en Dieu sera nécessaire. Si nous décomposons les paroles de Jésus pour une minute, ces impressionnantes lettres rouges, ça fait 8 sermons qu'on parle ces lettres rouges, nous verrons un peu plus profondément de quoi qui se trouve à la surface de ces mots. Premièrement, là, on va regarder ici. Premièrement, le mot « avance » là, dans le grec, signifie quelque chose de très différent. Je n'aurais pas pensé à ça, là, mais quand j'ai fait des recherches dans le grec, le mot « avance » là, veut dire « position » ou « se positionner », »,« se mettre à la place pour un miracle ». Jésus est sur le point de faire un miracle dans la vie de Pierre et le mot « avance » là veut dire de se positionner pour un miracle. Puis il dit à Pierre où s'avancer, de se positionner dans les profondeurs. Pas juste « voilà », mais « voilà où c'est profond ». Vous voyez, la zone profonde, ça c'est où là, le Seigneur veut qu'on soit là. L'eau profonde, dans les places profondes avec lui.
Dans le naturel, lorsque vous mélangez deux mots, eau et profondeur, vous avez le sentiment en dedans de vous que d'entrer dans l'inconnu et peut-être dans un lieu de non-retour, savez-vous ça? Sur le rivage, il y a, ou sur la plage, il y a un sentiment réel de sécurité. Mais en regardant dans la zone profonde, vous pouvez voir l'aventure. Même si cela peut paraître un petit peu effrayant, moi j'aime ça regarder les personnes qui sautent des édifices ou des rochers avec des parachutes, avec des costumes que tu peux flotter dans l'air. Là, je ne sais pas comment on dit ça. Mais anyway, c'est wow, super, j'aime ça regarder ça. À moi, c'est trop effrayant. Mais c'est une aventure de la vie. Mais si on regarde ici, il y a une image spirituelle ici que Jésus veut qu'on voit. Dieu appelle chacun de nous dans les profondeurs, savez-vous ça? Il nous appelle dans les places de risque. C'est un lieu d'intimité du sens spirituel le plus profond. C'est un lieu d'abandon total, car dans la zone profonde, vous êtes loin de la sécurité et du confort du rivage ou de la plage. Sur le rivage, c'est l'endroit où votre passion terrestre charnelle peut prendre vie et si vous le laissez. Tu sais, quand on est dans une place de confort dans notre vie, c'est facile à faire les choses que le monde veut qu'on fasse. Mais quand on rentre dans les profondeurs, vous n'avez pas de soutien. Vous n'avez pas de place à mettre votre pied. Vous n'avez pas de terrain sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, que faites-vous quand Dieu vous appelle dans les profondeurs? Que faites-vous? Et que vous n'avez rien de quoi que ce soit pour vous tenir debout? C'est là que la foi entre en jeu, où vous descendez. Une chose. Soit que la foi entre en jeu ou vous descendez, vous noyez. Lorsque la confiance et la foi entrent en jeu, le nouveau soutien arrive et aussi les miracles que vous recherchiez. Quand le temps était venu pour Pierre de marcher sur l'eau, Jésus lui a donné son plein soutien. Rappelez-vous l'histoire? Où Jésus, Pierre était avec les disciples dans la chaloupe sur le même lac, le lac de Galilée, de Génézareth. Et Jésus était sur la montagne, était à peu près prié, prendre le temps avec son père. Puis la tempête est venue, puis Jésus est venu, puis il était marché envers eux. Et Pierre a vu ça, puis il demande à Jésus, « Seigneur, c'est-tu toi? » Puis il dit, oui, c'est toi, laisse-moi aller, laisse-moi aller venir. Puis Pierre, Jésus a dit, viens, OK? Une seule parole, viens. Mais ensuite, il a eu peur quand il a ôté ses yeux sur Jésus et a vu la tempête. Il a vu l'impossibilité et les réalités du naturel. C'est vrai, le naturel il y a une réalité. Si on regarde... Peu importe où on regarde, on peut dire « Wow, on ne peut pas faire ça ». Dans le naturel, nos cinq sens vont regarder ça et ils vont dire « Wow, tu ne peux pas faire ça, là. C'est impossible ». C'est ça qui est arrivé à Pierre. Il a ôté ses yeux de Jésus, il a vu la tempête et il a dit « Oh, je ne peux pas me tenir ici, il va tomber ». Puis il est tombé. Il y a des lieux et des moments où Dieu, si je parle personnellement, m'a appelé à marcher sur l'eau. Et pour être honnête, j'ai coulé ou j'ai fait chute. Plusieurs fois. Mais il y a aussi des moments où Dieu m'a appelé à marcher de nouveau dans cette zone profonde. Et voici, j'ai trouvé le pied et le terrain sur lequel me tenir. Et tout ce qu'il fallait, c'était de la foi. Alors, il y a des fois qu'on va entrer dans la foi profonde, puis le Seigneur va nous apporter dans des places où on peut... Marcher sur l'eau et c'est pas littéral, c'est une métaphore. Le Seigneur nous appelle dans cette place ou dans cette zone profonde, OK? Et l'eau est une métaphore pour ceci. Alors, marcher sur l'eau, c'est une image confiance totale en Dieu dans une situation impossible. C'est ça que ça veut dire,
OK? Alors, comment se rendre là? Comment s'y arriver à une pièce où on a de la foi comme ça? Eh bien, vous devez d'abord comprendre qu'avec Dieu, la croissance est un processus. C'est progressif. OK? Dans le naturel, vous êtes un bébé, puis un tout petit. Après ça, vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille. Après ça, vous devenez un adolescent. Et enfin, un adulte. Vous voyez le processus? C'est simple. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Je viens juste de vous expliquer que c'est un processus. C'est progressif. Progressif. Alléluia. Il y a maintenant une autre signification à la zone profonde. Ce n'est pas seulement le lieu où vous vaincrez vos peurs. C'est aussi un lieu d'intimité avec Dieu et de compréhension de sa parole à un niveau plus profond. C'est un lieu où Jésus révèle à vous et vous grandissez dans la parole et dans la foi. C'est ce lieu profond d'aventure avec Dieu, loin du rivage, où vous apprenez à obéir et à faire confiance à Dieu. C'est là que lorsque vous laissez tomber vos filets, ils reviennent pleins de poissons. La zone profonde est la zone miraculeuse ou la zone de miracle. La profondeur est l'endroit où nous rencontrons vraiment Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Et pour nous éloigner du rivage, il est venu pour dire, hey, sortez de là, venez ici dans le profond, je vais vous montrer quelque chose. Le peuple juif a refusé l'intimité avec Dieu au mont Sinaï après avoir traversé la mer Rouge. Dieu voulait une rencontre avec eux, mais quand ils ont entendu le tonnerre et les éclairs, ça a changé toutes les choses. Regardons ici pour une minute à Exode chapitre 20, verset 18. Je me rends là. Exode 20, verset 18 nous dit, « Tout le peuple entendait les tonnerres. » Maintenant, le mot « éclair » ne dit pas en français, mais il dit en anglais. Mais c'est pour dire que quand il y a du tonnerre, il y a des éclairs, c'est sûr. « Tout le monde entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. » Wow! OK, une montagne qui boucane, puis il y a des flammes. Wow! Et ce spectacle-là, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait loin dans l'éloignement. Ils sont retirés. Vous voyez, le peuple juif, ils ont manqué leur chance à vraiment être intime avec Dieu. Il y en a quelques-uns dans l'Ancien Testament qui ont vraiment eu un temps d'intimité avec le Père, avec Jéhovah. C'est David. David, il était l'homme qui était le plus intime avec Dieu, même plus que Moïse encore. Alors, Jésus est venu pour nous ramener au Père. On était loin du Père et Jésus est venu nous ramener au Père. Puis ça veut dire sortir du rivage et venir dans une place profonde. Puis c'est la relation que Dieu veut avec nous, c'est pas une relation à distance. Jésus est venu pour ramener le ciel sur la terre afin que nous puissions enfin rencontrer Dieu. Il est venu pour nous sevrer du rivage et nous amener dans la zone profonde pour la baignade de notre vie. Alléluia, pour la nage de notre vie. Alléluia. Moi, tu sais quoi que je trouve vraiment rafraîchissant? C'est quand je suis sur une plateforme qui est loin du rivage, on peut nager d'une place à l'autre. Puis quand on arrive sur cette place-là, c'est très creux. Puis quand c'est creux, c'est rafraîchissant quand on prend une plonge, puis on va creux dans l'eau, puis on sait qu'on est creux. Puis c'est très, 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 c'est très rafraîchissant. Alors, Jésus veut qu'on aille dans cette place profonde. Il est venu pour nous amener dans une place où on est des zéros à une place où on est des humbles héros, pour ainsi dire. Il est venu établir une relation personnelle avec nous, pour nous parler, pour nous aimer, pour nous bénir, pour nous prospérer et nous montrer sa bonté.
pas comme il l'a fait sur le mont Sinaï avec tous les éclairs et les tonnerres et la montagne tremblante, mais par la voix calme et douce de son Saint-Esprit. Savez-vous, quand vous recevez Jésus dans votre cœur, il vous donne son esprit. La Bible dit, en chapitre, je crois que c'est Romains 8, il dit que si on a l'esprit du Christ. C'est la voie de la grâce et de la miséricorde, du pardon et de la compassion. C'est la voie qui nous dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, mais désormais, ne pêche plus. Mais rassurez-vous, je vais vous dire quelque chose, rassurez-vous qu'après l'enlèvement où Jésus va venir chercher son Église, et quand la dispensation de grâce qu'on vit à ce moment ici vient à sa fin, les éclairs et les tonnerres et les tremblements de terre vont sûrement revenir. Mais en attendant, le Saint-Esprit appelle votre nom. Il appelle votre nom d'un endroit profond. Jésus est dans le profond. Le Saint-Esprit est dans la place profonde et il vous appelle de cet endroit. Il dit, « Éloignez-vous de la ligne du rivage et je vous soutiendrai. » Sans moi, il vous dit aussi, « Vous aurez zéro à montrer à la fin. Mais avec moi, vivant à l'intérieur de vous, je peux vous faire un humble héros. » Hallelujah! Hallelujah! C'est une bonne parole, ça, que Jésus veut vraiment nous apporter d'une place de confort, une place où c'est normal, puis vous apporter dans une place où c'est totalement différent, une place de foi, une place d'eau profonde, hallelujah. Si c'est la première fois que vous entendez un message comme tel, je veux vous dire que Jésus t'aime, hallelujah. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour mourir sur une croix romaine pour toi, une croix qui est cruelle. Hallelujah. Pour donner sa vie pour tous ceux qui ont péché. Et la parole dit que tout ont péché. Hallelujah. Alors, si c'est toi ce matin et tu veux recevoir Jésus-Christ, c'est simple. La seule chose que tu as à faire, c'est réaliser que tu es un pécheur et que Jésus t'aime. Je veux vous dire que Jean 3,16 dit que Dieu le Père a envoyé son Fils, qui est Jésus. Il vous aime tant, assez, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir, hallelujah, pour vous. Que si tu crois, tu n'auras pas besoin de périr, mais tu peux avoir la vie éternelle. Après ça, il dit, quand on reconnaît ça, que Jésus nous aime, on se repentit, on se tourne d'une vie pécheresse. Ça signifie seulement de se détourner. Après ça, Jésus veut la parole dit de confesser Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Hallelujah! Et croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, il fallait une mort et une résurrection. Hallelujah! Pour que la puissance de Dieu soit disponible à nous, comme si on vient, comme ceux qui vont venir ce matin à Jésus, que vous avez la puissance du Saint-Esprit, que Jésus, il est au Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, mais son Esprit est pour nous. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, qui vit en nous comme chrétiens. Alors, croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Recevez-le dans votre cœur et laissez lui, Jésus, vivre sa vie à travers de vous. Hallelujah. Alors, prions. Hallelujah. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, comment pécher, Seigneur, étape par étape. Tu nous as montré, Seigneur, comment vous avez attrapé Pierre. Comment, Seigneur, tu as attrapé Pierre étape par étape. Et Seigneur, aussi, tu nous as montré ce que ça veut dire, Seigneur, la place profonde, hallelujah, dans une place profonde où c'est une place d'intimité, Seigneur, une place de risque, c'est une place de foi et d'aventure en toi, hallelujah. Alors, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous lance un défi, Seigneur, d'aller plus creux en toi, de décider de, hey,
C'est pas trempe ici. Il faut que je me mouille les pieds. Il faut que je continue à aller plus cru. Il faut que je me mouille les genoux. Faut que je mêle au-dessus de ma tête dans la place profonde. Je veux avoir une place d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, bénis cette parole à nos cœurs. Qu'on la serre, Seigneur. Qu'on la protège à nos cœurs pour une journée importante où on peut la donner à quelqu'un d'autre, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une bonne journée aujourd'hui. Alléluia. On a la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et j'espère de vous voir encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais commencer une nouvelle série. Ça va être appelé... Ça fait affaire avec les lettres rouges, les lettres à l'Église, dans le livre de Révélation. De l'Apocalypse, je veux dire. On va regarder les sept églises. C'est des lettres, puis c'est des lettres rouges. Alors, on va continuer dans cette chose-là, mais on va changer le focus un petit peu la semaine prochaine. Alors, ayez une bonne semaine.